Pouf YouTube, comment allez-vous? Rassuper, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon serveur Arma3Life en direct de Twitch. 528 Twitch, pas mal. Pas mal. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Il y a des gens qui disent rebelle, mais rebelle, chouk, ritmo. Ah, c'est toi Far Trace que j'ai tué. Je pensais que t'étais en bas. Il y a la petite Bugatti qui est sympa à prendre. La petite Bugatti, attendez, je regarde, parce que ça, c'est les villes du bas. Dealer de tortue, garage... Ça, c'est les camps rebelles avec les armes. Camp rebelle, c'est pas mal, hein. Camp rebelle, c'est vraiment kiffant, il y a des grosses armes de fou furieux, là-haut. Mais c'est genre méga loin, en fait. Il y a tout ça à se faire en bagnole et tout, c'est chaud. C'est chaud. Et attendez, là, il y a quoi? Préfecture, vendeur de bateau, BTP, commissariat... Concessionnaire de quoi? Ah, il y a un concessionnaire Ford ici. Intéressant. Magasin général. Et on est où là par rapport à Lakeside? Parce qu'en fait, Lakeside, c'est la ville où... C'est Kavala en fait, pour faire simple. Puis de pétrole, truc de gang. Oh, blanchiment d'argent, tiens, ça peut être marrant, faudrait voir comment ça marche. Armurerie. Bon, vous savez quoi, on va repop à Lakeside et à la limite, on va sortir des grosses voitures, puis on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc Lakeside, c'est Kavala, pour faire plus simple. C'est la ville où tout le monde spawn, où il y a tout. Il y a tout. Alors, les voitures de sport sont là. Concessionnaire de luxe. En avant, on va y aller. En avant. Donc là, on n'a pas d'armes. Je vérifie pour être sûr. On n'a pas d'armes, on est bon. Là, on est un mec honnête, là, les gens. Là, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien du tout. À noter qu'il y a des travaux dans la ville. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore, les gens? On va les regarder. Ah non. À mon avis, il devait faire muser avec les gyros. C'est con. Oh, elle est tellement classe, la sonnette. On a l'impression d'être à New York. Ah, encore un flic qui patrouille. Ouais, hop, traverse. Ah, je crois qu'ils sont tous mis flics, en fait. À mon avis, c'est sûr. C'est sûr, je sais pas combien on est, je crois qu'on est 6 ou 7, même pas, on est 4. Je dois être le seul civil, les gens. Oh, on dirait trop Walking Dead. C'est trop ça, les gens, on dirait trop Walking Dead. Il y a personne, c'est sombre, il y a les flics qui patrouillent avec les gyros et tout ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Viper, on l'a déjà pris, les gens, la Viper. Donc, ah, petit ATM. La Viper, attendez, on est où? On est là, je crois qu'il y a un ATM là. Ouais, il y a un ATM. La Viper, on l'a déjà pris. On va peut-être plutôt partir sur un autre type de bagnole qu'on n'a pas l'habitude de prendre. On va voir ça. Bon, déjà, j'ai pris du skate. Le skate qui est quand même vachement kiffant. Le mec, il prend un skate pour se barrer. Mais là, le petit piou-piou que j'avais acheté, mine de rien, il était bien sympathique. Merde, j'ai pas du VN. Oh là, on va se faire écraser. Le petit piou-piou que j'ai pris était bien sympathique quand même. Parce que je l'ai bien défoncé, celui qui est monté. Prends la M5. La M5, pourquoi pas? La M5, ça peut être une idée. Après, vu que j'ai pas mal d'argent, on peut en sortir plusieurs pour voir à quoi elle ressemble. Comment qu'on fait pour passer? Ah bah, on peut passer là? Non, je suis bloqué, je crois. Oh putain, c'est chaud, il fait tellement nuit. Ah, c'est bon. Ouais, forcément, quand t'as pas de JVN, tu pleures. Hein. Je sais pas quelle heure il est. Il est 4h10 du matin. L'heure est là, tiens, pour celui... Par exemple, vous voyez, là, l'heure, elle est masquée. Moi, ce que je voudrais, c'est agrossir ça... Pour que tout soit propre. Mais j'ai pas trouvé encore comment faire. Prends tout. Ouais, à la limite, on va en sortir quelques-unes, les gens. On va en sortir quelques-unes. Non, les gens, n'appelle pas David, les gens. David, c'est un vilain, vous l'avez vu. Il nous a martyrisé. À mon avis, ils ont essayé de mettre des barrières, mais ils peuvent pas les enlever, les barrières. Ça, pareil, c'est un bug qui est bizarre. La police ne peut pas enlever la barrière. Par contre, les civils peuvent. Attendez, est-ce que... Je crois pas que je les récupère dans mon inventaire. Alors ça... Hop. Je crois pas que je les récupère dans mon inventaire. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un bug avec ma RSV4. Ça fait 4 fois qu'ils me disent qu'ils me l'envoient à la fourrière. En avant. Ouais, donc il y a pas mal de petits bugs. Bug de la barrière aussi. Mais bon, il y a quand même pas mal de points positifs à Arma3Life. Même si c'est bien bugué, il y a quand même des trucs ultra cool à faire. Alors, on va retirer un petit peu d'argent. À la limite, on va sortir un peu de voiture. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. 1, 2, 3, on tirait. Ouais, bon. On retire 10 millions, allez 11 millions, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu, on va pouvoir sortir un peu les voitures que vous voulez voir. Alors, on va commencer
par une Mini Cooper. Vous étiez plusieurs à vouloir la voir. Boum. Voilà, la Mini Cooper. On va les déplacer, vous savez quoi? On va les mettre à côté, tiens. On va les sortir. Oh, mais elle est trop belle en plus. Mini Cooper, les gens. Qui est la version country, j'ai l'impression. Ce jeu... De base, la Mini Cooper, elle ressemble pas à ça. Elle est plus dégueulasse. Mais celle-là, elle est belle. Alors, voyons voir. Oh. Alors, ouais, forcément, j'avais coupé le son un petit peu. Oh, c'est pas mal. La petite Mini Cooper, les gens. C'est sympa comme bagnole, ça. On va la mettre là. Petite Mini Cooper. Voiture sympathique. Voiture sympathique. Ouais, pas mal, avec le petit truc sport et tout au niveau de l'aileron, c'est bien cool, ça. Allez, qu'est-ce qu'on sort d'autre, les gens? Une McLaren, une R8. Non, une M5. C'est mon avis d'une M5. On va sortir une petite M5. Oula, je suis en train... Non, sinon, on va les sortir dans l'ordre, vous savez quoi? Enfin, on va pas tout sortir, mais on va les sortir dans l'ordre. Que certaines. Allez, hop, ça, je sais pas ce que c'est. Oh, waouh! Alors, elle est trop, trop belle. Par contre, le skin est défoncé. Vous voyez, le skin là, ça pareil, sur certaines voitures, j'ai le skin là qui est mis en place. En fait, à ce que j'ai compris, c'est le skin par défaut. De défaut, défaut, en fait. Donc, genre, ça fait une sorte d'épave. Sauf que c'est censé être une bagnole de fou furieux, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a la bagnole là qui pop avec le mauvais skin. Bon, elle est pas mal quand même, hein. Hop, on va les mettre là pour éviter de faire chier tout le monde. Voilà, donc là, bug avec le skin sur celle-là. C'est pas le bon skin qui spawn dessus. En avant, suivante les gens. Suivante. Monster Truck. Monster Truck, les gars, je l'ai déjà sorti le Monster Truck. On va sortir la Volvo, tiens, je sais pas du tout ce que c'est. On va les louer. Pff, ça a rien de les payer plein pot. Oh. Petite citadine en 5 portes. Bien skinné en plus, enfin d'extérieur c'est propre. Alors voyons voir. Volvo, intérieur est propre et tout. Pas mal. Oh, elle est pas mal du tout, elle. Hein. Ouais. Elle est propre. Elle est propre celle-là. On dirait une petite BMW un petit peu. Hop, on va la mettre à côté des autres. Ça l'est pas mal aussi, les gens. La R8? Allez. Allez, on sort une M5 et après on sort une M8. On va aller voir un petit peu ça. Et comme ça, on terminera le stream là-dessus sur des sorties de voitures. Alors, la M5. La M5, j'avais dit la M5. Où c'est qu'elle est? Elle y a au moins la M5? Ah ouais, elle est là. Elle existe en deux versions. Alors là, je l'ai pris en vert. Wow. Oh, elle est vachement jolie. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de bug avec l'herbe, en fait. On voit à travers. Ouais, c'est ça, on voit à travers. Je suis pas fou. Non. Ou alors, c'est un effet miroir. Allez, on va voir. Petite bagnole de pauvre encore. Waouh. Magnifique. Ok, donc le volant ne tourne pas. Bon, c'est pas bien grave. Intérieurement. Ah non, ok, on voit à travers. Pourquoi ils m'ont fait ça? Mais sinon, elle est belle. On dirait celle dans Garry's Mod, celle-là. Elle est vraiment classe. Après, faut peut-être tester avec l'autre skin. Peut-être que l'autre skin est plus jolie. On va tester l'autre skin. Non, on testera plus tard. On va sortir juste une voiture. Mais ouais, dommage au niveau du skin, on voit à travers. C'est dommage. C'est comme un fond vert. Ouais, sinon, on dirait un fond vert, ouais. On dirait un fond vert. Alors, suivant. Suivant, suivant. Il y avait la P1 qui était ressortie. On va la prendre en orange. 1 350 000. Waouh. Oh non, mais celle-là, elle est hallucinante. Elle est hallucinante, celle-là. Extérieur, magnifique. Super bien skinné. Et en intérieur, qu'est-ce que ça donne? Oh non, genre on peut monter. Oh oui! Les gens, regardez le spoiler! Regardez bien. Oh, c'est trop classe. Il y a un mode sport qui existe.
Regardez comme ça, vous verrez mieux. Hallucinante. Le genre de truc qui me fait délirer. Oh là là. Ah oui, le petit compteur intérieur. Ah, celle-là, on va aller la tester sur le circuit, celle-là. Je sais pas si on peut... Non, on peut pas rejoindre le circuit, il faut que je rentre dedans. Oh là là, mais celle-là, elle est hallucinante. Oh, celle-là, elle est trop belle. Ah, elle passe ou pas? Ok, il va falloir y aller doucement. Moi, j'arriverai pas à la faire remonter, je crois, par contre. Oh, celle-là, elle est hallucinante. Oh putain, le monstre! Je crois qu'il y a un virage. Attends, mais il est comment le circuit en fait là? Ah ok, il y a deux modes en fait. Mais pourquoi il me fonce dedans ce con? C'est qui, c'est handicapé là? Attends, mais c'est moi, il faut une course-poursuite sur le circuit. Ah ouais. Bon. Bah tant pis, on répare la voiture. Ah non, on peut pas. Bah bravo, David. Bravo. À mon avis, ils sont en course-poursuite, je crois. Attends, on va voir les gens. Peut-être une course-poursuite en direct. C'est qui est devant lui? Est-ce qu'ils font une course-poursuite? Bon bah les gens, dommage pour notre voiture. Hein. C'était la P1, je crois que c'était ça. C'était la McLaren P1. Et celle-là, elle est hallucinante. Elle est juste trop belle. Pff, c'est hallucinant. Et la voiture, là, elle existe en vrai en plus. Hein. Elle est magnifique. Ce que j'adore, c'est les feux qui font des vagues comme ça. C'est magnifique. Celle-là, elle est trop belle. Bonjour! Il est tellement débile, ce mec. J'espère qu'ils ont des repair kits pour la réparer. David, va me réparer ma voiture, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'ils me font? Mais non, mais c'est pas une... Ah si, c'est une course pour... Oh, le mec, il a une Camaro, quoi! Eh, donne-moi de quoi réparer ma voiture là. Bonjour. Bonjour, donne-moi de quoi réparer ma voiture. Parce que HRP, t'as quand même foncé dans ma voiture, HRP. Ok, donc c'était une course poursuite. Et toi, tu mets pas tes gyros quand tu fais une course poursuite. Allô, votre voiture. Bah, elle est là, c'est la P1, t'as foncé dedans. Elle est là. Tu la vois pas? Ok, c'est pour ça qu'il a foncé non. Dedans. Passe-moi un repair kit, je vais la réparer et tu l'as défoncé. Je sais pas. Ouais, tu la vois pas ta voiture. Bah, passe un repair kit, elle est devant moi la voiture là. Alexis, tu la vois la voiture? Bah, non, je la vois pas moi là. Elle est où? Bah, mate le stream, mec, tu vas la voir, elle est devant. Ah, ça me fait comme l'autre fois, tu sais, avec la moto, là. Ouais, il y a des trucs que tu vois pas. On a vu peut-être au niveau des add-ons, t'en as peut-être oublié un, je pense. Hein. Ouais, je crois. Qui c'est qui a un repair kit, alors? Je pense que je vais devoir aller chercher un repair kit. Tiens, j'ai un repair kit. Vas-y, passe-le. Bon, on va réparer la P1, les gens, quand même. Hein. Tiens. Comment qu'on fait déjà pour ramasser? Ah, peut-être avec I. Ah merde, j'ai même pas de sac à dos. Le repair kit, il passe même pas. Putain, j'ai pas de sac à dos. Attends, est-ce qu'elle roule un petit peu ou pas du tout? Ah non, ouais, carrément, il me l'a bloqué au sol, ce con. Oh la haine, les gens, j'ai pas de sac à dos. J'ai pas de sac à dos. Puis, il la voit pas. Ça, c'est pour donner un coup.
Putain, bah du coup, je prends sa voiture. Bon, j'arrive pas à réparer ma voiture. Hein. Tu la vois ma voiture ou pas? Ok, ouais, c'est bizarre. C'est David qui voit pas les bagnoles, les gens. Voit-lui sa voiture. Mais non, les gens. Non, Windows T, ça marche pas. J'ai pas de. On peut pas transporter de trucs comme ça quand on a pas de sac ou pas de gilet. Putain, quelle idée de venir ici. Comme par hasard, il y avait une course, quoi. Une course-poursuite. Ah, parfait. Je pense que David, il a. Il a pas de. Ouais, à mon avis, il doit lui manquer un add-on, je pense. Allez, hop, on reprend dans notre voiture, là. Donc, je vous disais qu'elle était super belle. Allez, juste hallucinante. Oh là là, allez. Je crois que c'est la voiture la plus jolie que j'ai vue sur Arma 3. Le mec, il est en extase devant une voiture. Mais elle est juste... Et le fait de pouvoir rentrer le spoiler et de le ressortir, c'est tellement propre. Elle est magnifique. J'ai l'impression d'être dans Project Car, en fait. Bon, on est ici. Bon, vous savez quoi, on va faire rapidou le tour du circuit. Allez, hop, en avant. Petite course poursuite, les gens. Ouais, match de la donne s'impose. Ouais, David, il a pas fait la mise à jour de la donne, ça se voit. Bon, on va pas le doubler, ça sert à rien qu'on explose. Mais, waouh, magnifique cette voiture. Cette voiture est tellement magnifique. C'est classe qu'ils aient fait un circuit de voiture en plus. Ça fonctionne trop trop bien. Oh là là, c'est parfait, parfait, parfait. Allez, hop, on allume sur la ligne droite. En plus, avec le compteur comme ça. Mais elle est juste magnifique. Ah ok, il y a un truc ici. Ah bah parfait. Comment il a fait pour sortir? Bah, il a fait comment pour sortir, lui? On va voir si on peut la lever. Celle-là aussi, elle est buggée, elle est mal mise. Voilà. Bon, je sais pas. Lui, il a réussi à sortir, mais moi, j'arrive pas à sortir. Ok, il y a une entrée, en fait, sur le côté. Oh, c'est parfait. En fait, ça évite de devoir faire ce que j'ai fait et de tout casser. Ouais, c'est mon circuit, les gens. C'est mon circuit. Allez, hop, on se met là. Ah, celle-là, elle est magnifique. Bon, on va continuer à sortir un peu de voiture. Hop là. Celle-là, elle est magnifique. Ah bah, Quentin, il a sorti la Bugatti Veyron, tiens. Elle ressemble à ça, la Bugatti Veyron. C'est celle que chez David, j'ai l'impression. Ou alors, elle lui ressemble trait pour trait. Alors, donc du coup, la Bugatti Veyron, vous l'avez vu. Bon, allez, une dernière voiture, les gens. La R8. Allez, la R8. Alors, R8 qui est dispo en différentes couleurs, on va la prendre en rouge, on va la louer. De toute façon, il y a un bug de garage, comme je vous le disais. Ah oui. Ah oui. Ah, elle est magnifique. Avec le petit... sorte de peinture métallisée. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc de cinglé dedans? Ah, dommage. Je me suis dit, imaginez, on peut remettre la capote. Ouais, bon, bah, celle-là... Incroyable, les gens. Incroyable, celle-là. Ah ouais, celle-là, elle est dingue aussi. Hein. D'ailleurs, celle-là, c'est marrant, parce que la conduite, on est plus loin que sur les autres voitures. Parce que sur les autres voitures, on est comme ça, d'habitude. Enfin, on est vraiment collé au pare-choc. Et là, la caméra est bien loin. Donc, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. R8, on va la mettre là. Le gars, il fait le tour des voitures pour voir s'il n'y en a pas une qui est ouverte. Allez, on en ressort une dernière, les gens. La capote. Bah, ça aurait pu être classe, en fait, si on pouvait remettre la capote. Mais bon, malheureusement, c'est pas bon. Pouf, pouf, les gens. Vous êtes 500, les gens. C'est beau.
C'est bon, allez, on en sort une dernière. Porsche Carrera, Ferrari, BMW Z4, on a déjà vu. Mercedes, c'est classe aussi. C'est quoi ce bordel? BMW 5, M5. Ah, sont là les autres M5. J'ai pas fait gaffe. Monster Truck, la Bugatti Veyron, le Skate, le Monster Truck, et encore des Bugatti Veyron et la Defcar. Allez, bon là les gens, là c'est cadeau, vous voyez les gens, c'est juste pour vous là. Là c'est juste pour vous les gens. Quoi, collègue? C'est bon, normalement, il y a dans le véhicule, je pense qu'on va les écouter. Bonjour, monsieur Batman. Cette voiture est hallucinante. Il y a la Batmobile sur le serveur. Bon, alors elle vaut un bras, certes. Et elle est dégueulasse en skinage. Mais on est dans la Batmobile, les gens, quand même. Faut vous imaginer. Faut vous imaginer. Et pour ceux qui me diraient que c'est pas la Batmobile, ça, c'est pas le signe de Peter Pan. D'accord? Donc on est dans la Batmobile. Voilà. Alors je sais pas c'est quelle année de la Batmobile, parce que dans les nouveaux films, elle ressemble pas trop à ça. Mais voilà les gens, la Batmobile est là. Alors, on peut pas aller sur l'autoroute, comme je l'avais dit. Parce que l'autoroute est buggée. Ça, c'est trop classe, putain. Oh non, je l'ai bloqué. Non. Je l'ai bloqué, les gens. Tellement elle est skinée bizarrement. Attendez, on va voir si on peut pas la retourner. Parce que c'est des voitures skinées, hein. Donc, autant vous dire que... Non, on peut pas la retourner, elle est buggée. Autant vous dire que les bagnoles, faut faire gaffe qu'on conduit avec, parce que là, par exemple, bah, attention, vous verrez, mais celui qui claque 1 500 000 pour l'acheter, il va pleurer. Si les roues de derrière sont décollées du sol, la voiture ne bouge plus. Voilà, c'est la fin. Donc là, la voiture ne bougera plus. Ouch. Ah oui. Ah, à mon avis. À mon avis. Il y a un mec qui est rentré trop vite dans le garage, ça a tout fait péter. Avec les gyros, après, attendez, je vais essayer. Non, elle est bloquée, hein! Elle est bloquée! Ouais, non, non, je l'ai bloquée. C'est comme ça, elle est bloquée, les gens. Cherchez pas à les bloquer! Elle est bloquée, les gens! Voilà, allez, c'est fini. Allez sur sa terre. Allez, non, il y a un fou qui est sur l'autoroute. Ah non. Allez sur sa terre, c'est fini. Voilà, 1 500 000. Ça pique, hein. Enfin, moi, je m'en fous, mais le gars qui va claquer autant d'argent pour l'avoir, ça va piquer. Parfait, bon, ça n'empêche qu'elle est magnifique, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est belle, elle fait bien Batmobile et tout ça. Et elle a une de ses gueules aussi, c'est irréel. Bref, les gens, nous, on va se laisser là-dessus. J'espère que ce petit épisode vous a plu. On était sur mon serveur Arma 3 Life. Prochaine vidéo qui vont arriver... Au niveau du serveur, je pense qu'on va faire un peu de mapping, histoire de voir un petit peu comment fonctionne la map, parce que j'ai jamais vu la map là sous un éditeur de map, donc on va voir un petit peu comment ça marche, voir si on peut déplacer, je sais pas, des arbres, des routes, enfin voilà, voir ce qu'on peut déplacer, voir ce qu'on peut enlever, tout ça, donc ça peut être plutôt sympathique. Bonjour monsieur. Voilà, fermé. Bonjour! Ah, Vous passez un transport? c'est Loïc. Bah non, en fait, j'ai fait un petit accident avec ma Batmobile. Faudrait essayer de la pousser. Faudrait regarder si vous pouviez me pousser, sinon. En fait, faut taper devant pour qu'elle redescende. Vous avez qu'à essayer avec votre voiture si Ouais, ça je vais marche. essayer. Allez, on s'éloigne. Si ça explose, c'est pas de ma faute. Donc, je vous disais, prochain épisode, on se fera un peu de mapping, je pense. Et essayer de voir, de lister la liste des bugs pour essayer un jour de les... Allez-y, allez-y, encore. Hein. Allez-y, allez-y, elle bouge pas. Hein. On va aller voir si c'est bon. Je suis en marche arrière. Ah, il a réussi! Ah, il a réussi! Merci, monsieur! Merci, monsieur l'agent! Vous êtes bien urbain. Ouais, c'est tout bon, j'ai juste cassé un pneu. Ah, c'est parfait. La Batmobile, quoi. Alors, lui, s'il va sur l'autoroute, il va avoir des surprises. Oh là là, elle est tellement belle.
Donc voilà, bon les gens, nous on va se laisser là-dessus. On était sur mon serveur Arma 3 Life. Et je conduis une Batmobile. Voiture que je voulais tester. Oh là là, elle se conduit tellement mal. Les voitures modées, c'est un truc de cinglé. Hein. Elles sont au niveau de la... Bon déjà, c'est impossible à conduire en vue comme ça. On va passer dessus. On voit rien. Ouais, c'est une savonnette le bazar. Elle a vu, un peu dégueulasse. Ouais, c'est les soucis des voitures modées. Souvent, les voitures modées sont belles, mais au niveau de la conduite, c'est pas trop ça. Normalement, c'est un cul-de-sac. Ouais, c'est bon, c'est un cul-de-sac. Parfait! Bon, les gens, nous, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Merci à ceux qui ont sub, les gars. Merci de votre soutien. Pensez à lire vos mots de passe, enfin, vos mots de passe, vos messages privés pour ceux qui ont sub pendant ce stream, les gars. Donc, il y a Bécalor76, Bac et Cédric. Merci à vous trois pour le sub, les gars. Et nous, écoutez, on se retrouve plus tard pour la suite de nos aventures, les gens. À plus dans le bus, c'était super. Tchou !